là, vous êtes foutus parce que tous les Africains seront derrière Sénégal. En tout cas, nous toujours supporter Sénégal. Alors, la marche, là, ça sera bien comme ça. C'est le Sénégal, c'est votre moment, on va les supporter. Le pays que personne ne supportait, là. Dieu nous oblige maintenant à le supporter, le Sénégal. Oui, oui. Là, maintenant, Égypte a chicoté Côte d'Ivoire. Égypte a chicoté Cameroun. Voilà. Donc, maintenant, là, Dieu nous dit, allez-y, allez supporter vos frères sénégalais. C'est préférable pour vous. Au lieu de vous bagarrer comme des idiots. On est de vous bagarrer comme des idiots là. Allez-y, vous allez aller supporter le Sénégal. Comme vous cherchez à supporter votre équipe là, on va vous aider à vous rassembler. La même personne qui a chicoté vos frères, c'est comme ça. Hein? Au temps de l'esclavage, quand les blancs venaient là, quand ils chicotent un village, les gens du village à côté sont assis, ils se moquent. Ils ne savent pas que ça arrive chez eux. On arrive chez eux, on les chicote. C'est comme ça qu'ils ont pris toute l'Afrique hein, à cause de nos bêtises. Allez supporter. Et ne m'attendez pas à supporter Égypte. Les pharaons noirs. J'ai dit. Sérieux. Non, les pharaons blancs n'ont pas évité de vous. Non, vrai. Les pharaons blancs ne vous ont pas raté des Adam. C'est que vous tremblez, même pour tirer pénalité. Nous, on a un seul champ, un seul qui a refusé. Ils vous ont limé pour nous là. C'est 5. À 4. Et que nous, on a marqué 4 buts. Et ils ont marqué 5 buts. Vous avez raté combien de buts, Adam? Hein? Dieu ne voulait pas qu'elle me fasse un seul but. Ouais. Non, quand Dieu fait ton parent, toi, tu es assis, tu dis, oh yes. C'est que le même procédé, oui, pour montrer même là, si vous avez gagné, vous avez dit, non, vous êtes arrivé jusqu'à où nous on est arrivé là. Où nous on est arrivé là. Parce que nous, on devait être en haut de vous. Oui, c'est ça qui devait être. On devait être en haut de vous. Oui, c'est comme ça là. Nous là, vous avez joué contre l'Égypte. Nous aussi, on a joué contre l'Égypte. Même nous là, on est en haut, vous êtes en bas. Quand Dieu fait ton palabre, ouais. L'Égypte. Ceux qui cherchaient la grand-parent égyptienne là, on les a pas reconnus là-bas, on les a chassés. Vous n'avez pas un cas. Dans mon propre pays, vous n'avez pas un cap. Égyptiens, voyez. Égypte, voyez. Les vrais pharaons. Les vrais pharaons sont allés prendre la coupe chez les pharaons noirs. Les vrais pharaons sont allés prendre la coupe chez les pharaons nègres. Les vrais pharaons, ils sont allés dire à leurs anciens esclaves. Ils sont allés voir les anciens esclaves. Nos grands-parents sont égyptiens. Ils étaient égyptiens esclaves, ouais. Et les esclaves, comme ça, ils veulent discuter avec leurs maîtres. Hein? Des esclaves, comme ça, vous voulez discuter avec vos maîtres. Hein? Adam. Ouais, on vous a mis quoi? Vous tremblez comme ça. On dit tirer au but, vous tremblez. Attends, bas. Hein? Non, le match était chic. Non, le match était chic. Le match était intéressant. Il dit on a serré nos fesses comme ça. C'est bon ça. Moi, j'ai croisé mes doigts comme ça. J'ai croisé comme ça. Pied là, même, j'ai croisé. Et tête là, j'ai croisé encore. Et puis, c'est comme ça que j'ai regardé le match. Et c'est comme ça. Et c'est... Ouais, ma bouteille de champagne, il faut qu'elle pète une bouteille de champagne pour les Ivoiriens. Il a pété une bouteille de ruina. On va péter une bouteille de ruina. On va péter le ruina ce soir. Adam, on va péter la bouteille de ruina ce soir. Oui. Mohamed. Il ne faut pas bien, tu as laissé tes enfants et moi ici. Mohamed, ça c'est ta bouteille. Oui. C'est ta... quittez, vous avez triché. Oui. Vous avez triché. Vous avez triché. Malgré que vous avez triché. Ils sont gagnants encore. Si on a vu. On a vu comment vous avez triché. Oui. Vous avez triché. Habite là. C'est un habit vendu. Mais malgré ça, tire au but, il n'a pas fait de tricherie dedans.
Tu es au but là. Il n'y a pas à faire des trucs. On dit ballon et dans ton pied, tu tires, tu matches. Tu tires et puis tu bacs. Hey, c'est ça. Si on vous a triché, ne pensez pas que vous n'avez pas triché. Vous avez triché. Sans la glisser, parce que vous avez versé sauce de gombo, une dolette, tout, vous avez versé ça sur le terrain. Quand match était presque fini, vous avez fait changement. On ne sait pas si c'est vous qui avez le droit de faire les changements. Vos joueurs sont fatigués. Vous avez joué avec les gens même eux, ils ne s'échangent pas. Vous avez fait combien de changements? Tout ça pour faire passer les minutes du match. Vous vous couchez. Vous avez triché. Quand on a triché, vous avez triché. Vous avez fait combien de changements à la dernière minute? Arbitre va donner un carton rouge. Hein? Sol qui glissait en tant que vous avez versé un dollar sur le sol là. C'est un dollar là que vous avez pour vous mettre pétu. Pétu des terrains là. C'est sauf un dollar que vous avez versé. Terrain qui glissait comme ça. Mais les Égyptiens connaissent ballon que vous. C'est ça que vous êtes oublié. Votre grande nation du football là, quand vous arrivez devant l'Égypte, ça fait quoi? C'est votre vieux père. C'est votre grand-père. C'est vos arrière-arrière-grand-père. Quand on dit. Les... De toute façon, vous êtes nation de football. Quand vous arrivez devant les Égyptiens, là, vous restez au Syrie. Oui, c'est vos maîtres. De toute façon, vous pensez que le football, là, c'est pour vous. Là. Les Égyptiens disent de vous dire que... Les Égyptiens disent de vous dire que... Arrêtez de vous blaguer que vous êtes la grosse nation du football africain. Eux, les Égyptiens, là, eux, ils ont fini. Vous êtes les Pekpero. Oui, oui, vous êtes les Orodoro. C'est-à-dire que nous-mêmes, on sait que là, on n'est pas grande nation de football. Quand on fait concours de football, là, nous, on quitte là, en même temps. On vous laisse... Mais quand vous partez, là, vous perdez. Parce que les Égyptiens qui sont là, c'est mon Coran. Oui, Coran 1 appelle Coran 2. Les petits frères, les petits. Jusqu'ici, on vous dépasse toujours au football. Mais on s'en fout. Football, là, c'est amusement. On s'en fout. En tout cas, nous, on a trouvé des gens qui vous dépassent. C'est la partie qui nous intéresse. Nous, on pensait que vous étiez premier. Nous, on pensait que vous étiez numéro uno. Déjà, dans ce que vous êtes en train de discuter, nous, là, il y a des gens même qui vous dépassent dedans. Non, sérieux. Nous, on pensait que vous étiez premier. Façon, vous êtes fait. Que coupe là, c'est pour nous. Coupe là, ça a resté chez nous. C'est notre coupe. C'est notre coupe. Ah, dame. C'est coupe là qui s'en va. Oh. Nous, on ne peut pas espérer comme vous. Vous avez la foi. C'est que vous priez matin, midi, soir. Mais à la fin, échec. Vous avez un faux pasteur. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Vous avez pris la malédiction de... la malédiction de la Côte d'Ivoire. C'est Pasteur Macron qui vous a porté la poisse. C'est Pasteur Macron, le seul Ivoirien qui vous supportait. Le seul Ivoirien qui a pris la nationalité camerounaise, c'est lui qui vous a porté poisse. Oui, c'est Pasteur Macron. Camerounais Yako. Vous n'avez pas dit que vous voulez un maudit comme ça, un maudit. Vous n'avez pas dit que vous le voulez. Nous, on était, nous nous apportons la poisse. Vous dites que vous voulez pas, nous on vous a donné cadeau. Vous étiez Djaouli. Vous étiez Djaouli. Vous étiez en train de crier. Pasta, 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 pasta. Pasta, pasta, pasta. Voici le résultat. Oui, oui. Voici le résultat. La poisse qui dégage. La malédiction qui l'habite. Elle a dit que vous êtes son cadeau. Et toi, attraper sa tête comme ça. Un poéto. C'est pas grave, tu nous as libérés d'un poids. Nous-mêmes, ce monsieur-là, on ne le voulait plus. Il nous porte la poisse. Nous-mêmes, on était fatigués de lui. On voulait que les Camerounais l'adoptent. En tout cas, merci beaucoup aux Camerounais d'avoir pris. Merci beaucoup aux Camerounais. Nous, au moins, on connaissait nos sorciers. On connaissait celui qui nous portait la poisse. Là, on a un exemple palpable. Qui dit que c'est parce qu'il supportait la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire a perdu. Mais il va dire supporter Cameroun aussi.
Quand quelqu'un baise son enfant là, faut d'abord vous poser la question de savoir pourquoi lui là, ses parents l'ont jeté dehors. Faut d'abord poser la question. Petit, oh. Maman, petit, qu'est-ce que tu as fait? Et puis tes parents sont fâchés. Vous ne demandez pas, vous prenez comme ça. C'est ça. Vous avez pris le bouton noir de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, les Camerounais. Merci. Non, c'était trop chic. On voit qui en train de faire direct. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Attendez et mettre le numéro pour intervenir. Et où est le numéro là? Non, Mora, c'est un poisseux. Partagez le direct. Mora, c'est un poisseux. Moi, c'est un poisseux. C'est un vrai poisseux, même. Oui. Vraiment, allez, les Camerounais, allez dormir. Non, je suis trop contente. Non, je suis trop contente. Sérieux. C'est à cause de Mani Bella, même. Mani Bella. Elle est où? Aïe, tu es fier des Camerounais, ils ont perdu, maman. Malgré toutes les pressions, les accusations qui sont. Ouais, Mani Bella. Le Cameroun a besoin de Dieu. En tout cas, Dieu était du côté des Ivoiriens. C'est à cause de toi-même que le Cameroun a perdu. Toi, Mani Bella, tu ne laissais pas faire. C'est bien fait. Toi, seulement, c'est bien fait pour toi. En tout cas, pour tous les autres Camerounais, on est vraiment désolé. C'est le jeu. Mais Mani Bella, elle a trop chauffé notre cœur. Elle a trop chauffé notre cœur. Il est là. Non, la fille, si. Ça faudrait pour moi, si. Son petit cuir. Parlez encore. Tu as vu là.
parlez encore, parlez encore, parlez encore, parlez encore, parlez encore, vous êtes tous ici, non la chanson est trop chic. Parle encore, parle encore, parle encore, parle encore. Non, le son est trop chic. Mani, non, le son est trop chic. Parle encore, parle encore, parle encore, parle encore, parle encore. Oh, le son est trop chic. Manu, mais là, tu es où? Tu pries quoi? Tu es frère de qui? Hein? Tu es frère de lions indomptables. Mais si les lions et les indomptables sont fiers de toi. Le tout, si tu n'as même pas encore traversé l'eau, tu te moques de ton ami qui s'est noyé. Mon frère, tu es arrêté au bord de la rive, tu vois ton ami, il est en train de se noyer. Tu n'as même pas traversé l'autre bord. Tu te moques déjà. Péta, viens, il est là, on va aller dormir ensemble, non? Ou bien, on va aller dormir. On va aller dormir. On va pas aller dormir ensemble. Hey, double échec, c'est que tu vas tirer. Non, tu vas tirer. On va s'en chicoter. Attends, hein? Toi, on ne sait pas. On n'a même pas terminé de tirer au but là même. Tire au but là. Ils n'ont pas terminé. Je t'ai dit, le reste t'es tiré là. C'est bon, vous avez marqué. Les Égyptiens ont tiré. Le reste des buts là, on vous a donné cadeau. Oui, Dieu. Oui. Vous êtes foutus, les soirées. Vous allez sauf que déménager de Facebook. Vous allez sauf que déménager de Facebook. On va vous s'asseoir sur vous. Pendant moins une semaine, vous n'allez pas dormir. Oui, oui. On va s'asseoir. Et Dieu. Mon Dieu est merveilleux. Vous allez vous penser quoi? Nous, on est les enfants bénis de Dieu. Oui, oui. On est les enfants bénis de Dieu. La Côte d'Ivoire ou rien. Il y a Dieu dans notre affaire là. Dans notre affaire là, il y a Dieu. Dieu parle à notre place. Dieu se manifeste pour ses enfants. On est les enfants préférés de Dieu. Ça ne chauffe pas. Non, ça ne chauffe pas. On est les enfants préférés de Dieu. Vos grands-pères français, ils quittent dans les pays, ils vont dans votre pays avec votre coupe et puis vous chicotent comme ça. Attends, on peut chicoter ces enfants, c'est-à-dire qu'ils vous ont donné un gros stress, un vrai stress. C'est-à-dire que pendant tout le match, vous tremblez comme ça. Il y a d'autres mecs qui ont pissé sur eux, ils ont chié sur eux, ils dorment, vraiment. Hein? Non, en tout cas, les gens vous ont donné la souffrance. Hein? Est-ce que vous avez eu autant de stress comme ça dans votre vie? Pendant toute votre vie, que vous imaginez que, hé, hey, santé, les Ivoiriens vont nous tuer aujourd'hui. Moi, c'est la partie là. C'est la partie où vous êtes en train de regarder le match et puis vous pensez à nous. La partie où vous êtes en train de regarder le match et puis vous dites, hé, hey, si on a perdu l'aller là, on est mort, hein, les Ivoiriens. C'est-à-dire que l'Égypte ne vous faisait pas peur. Le match ne vous intéressait pas. C'était après match. Le after du match. C'était ça qui vous faisait peur. Vous tremblez sur l'après match. C'est-à-dire que vous êtes assis. Et puis vous croisez, vous dites, hey, Seigneur, les Ivoiriens vont nous tuer. Non. C'est-à-dire que quand tu as perdu, tu rentres chez toi. C'est comme une femme qui s'est accouchée. L'enfant sort. Et parce que la douleur est finie, mais c'est maintenant que le mot de vote là commence. Oui, oui. C'est maintenant que ça commence. Ça n'avait pas encore commencé. On est ensemble jusqu'en 2023.
On est ensemble. Jusqu'en 2023. Mais là, faut te préparer. Oui, on fait ça chaud pour te donner. On est ensemble. Jusqu'en 2023. Ramba de 2023. On va faire ça. On va commencer maintenant. Oui, on va commencer février 2022. Jusqu'à janvier 2023. On fait ça avec vous. Non, Dieu merci. Non, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux, je fléchirai genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux, je fléchirai genoux pour t'adorer toi seul. Bon, Dieu est nous. Et vous laissez je dis, laissez les autres Ivoiriens vont faire pour eux. Et laissez mes abonnés. Allô? C'est trop doux. C'est trop chic. On peut faire ça, le lion a maigri. Et toi aussi. Et la famine, c'est le petit coup. Le lion a trop maigri, il a faim. Il a faim. C'est pas vrai. On met un chien à la fin. Il a faim. Il a faim. Bisous la poule. Bisous la poule. Ouais. Je vous laisse. Je vais aller regarder d'autres dieux. Je vais aller me bloquer ailleurs. On s'attrape demain. Donc, tout aussi, on est avec vous. Les Égyptiens vous ont raté.